l'état des lieux de situation et vedette, chanteur vedette, parti groupe Barricade Pour, comme nous connaissons, qui était victime d'un accident et deuxième jour de grave. Et donc, l'état stable, et nous avons avec la rencontre. Si le point de presse a commencé quelques retards, c'est parce que nous avons fait un petit soin pour lui en salle. Donc, nous confirmer que l'état est fantôme stable, tout le bagage est correct, sauf que et nous avons réfléchi même à Exéatel, mais nous juger et qu'elle est toujours pour nos cas et continuer pour prodiguer quelques petits soins okay, et que telle nécessité. Et nous voulons porter précision ça aux populations en général et aux fanatiques Barricade Pour en particulier que chacun veut d'être fantôme et stable et la recevoir soins appropriés que telle nécessité et actuellement dans l'hôpital. Et nous avons saisi l'opportunité pour nous saluer et féliciter toute l'équipe médicale qui répond présent. Donc là, nous voulons certainement parler de l'équipe au Fatma qui était rendue opérationnelle, stand médical, première dame. Non? Et là, je rappelle pour tout le grand public là, que c'est la 7e édition, c'est la 7e fois que nous faisons ça. Et année ça, étant donné que nous pensons que tu as un grand afflux de monde qui t'a venu dans le carnaval là, parce que le président Martelly, dans le cadre décentralisé et carnaval là, et finalement le carnaval là, tu as venu sur Port-au-Prince, nous avons envisagé de faire stand dans une plus gros. Et malgré tout, et nous avons rapidement dépassé par les événements, parce que l'on recevra plus de 50 victimes en seul coup, imaginez ça, ça caille. Donc vraiment, et on a profité de l'occasion ça pour féliciter toute l'équipe au Fatma qui travaille sur ce stand là. Et vraiment pour nous dire chapeau, compliment pour le travail que vous faites pour réaliser pendant 2 jours. Et nous voulons tout étendre félicitations à tout le système là même, à tout partenaire qui te répond, qui te fait que réponse est efficace. Je voulais parler de PNH, Police Nationale d'Haïti, MSPP, qui a gagné de postes médicaux avancés quelque part dans l'air Chanmas. Et bien sûr, de l'autre partenaire, au AVCT, et bien sûr nous-mêmes au Fatma, qui a fait front commun pour nous monter en appui à Centre Ambulancier National, réseau ambulance que nous avons. Et de l'autre volontaire, parce que tu as de médecins, tu as de infirmiers qui étaient là, qui t'ont pris plaisir, et le bénévole, alors, dit volontaire, de bénévoles qui spontanément mettaient à disposition et viennent porter la main forte. Vraiment, à tout le monde, nous te tiens à dire merci dans nos populations, dans nos gouvernements, dans nos pays. Parce que vraiment, la réponse est extraordinaire. En moins de 2 heures de temps, j'en ai qu'à constater. Tout le monde a gagné temps déjà à joindre soin dans une structure. Et justement, en parlant de structure, il faut parler de l'hôpital qui a recevé la victime. Il faut parler de HEH, il faut parler de l'hôpital MSF et Sartre. Mais nous voulons parler de l'hôpital La Paix, nous voulons parler de l'hôpital Bernard Meuse et ici, qui a recevé 12 victimes, et y compris le chanteur vedette là. Fantôme que nous connaissons. Et voilà. Donc c'est essentiellement essence message ça que nous avons gagné au matin. Et chanteur veut d'être fantôme. Tu souhaitais lui-même répondre à question la presse. Donc nous venons annoncer, en grosso modo, nous tenons par le secret médical, nous pas qu'à entrer dans des détails de santé, mais lui-même, s'il veut, il doit avoir des détails. Donc, il a décidé et il a souhaité rencontrer avec la presse, okay? Le Sanap Kawel, filmer, poser la question, okay? Et si nous avons besoin de plus de détails sur comment l'état de santé est.
Merci, messieurs. Merci beaucoup.